Salutations à toutes et à tous, je suis en compagnie de Bubburn et Nico et ce soir on va jouer à Orc Quest. Donc c'est un jeu d'enfoiré dans lequel on va se savater allègrement, le but étant d'avoir un maximum de trésors en fin de partie. Pour ça, à chaque fois lors de notre tour, on pourra effectuer un défi. Sur la carte de défi, il sera marqué donc le nombre de dés à lancer, sachant que la couleur indique la difficulté. En gros, avec les dés verts, il y a une chance sur deux d'arriver à faire une réussite, donc pour réussir le défi. Sur les dés jaunes, une sur trois. Sur les dés rouges, une sur quatre. Je sais pas qui c'est qui commence. Shifumi. Même si c'est pas ça, on s'en fout. Allez, Shifumi rituel. En 5 manches. 35 manches gagnantes. On va essayer de faire. En une, le premier qui gagne. Éliminatoire. Oui, voilà. D'accord, ok. 1, 2, 3. On t'élimine. 1, 2, 3. Ok, il nous élimine. Donc vas-y, tu commences. Donc, j'ai oublié de distribuer les 6 cartes à tout le monde. Ouais. On a déjà 6 cartes. Ça va aller mieux avec les 6 cartes. Voilà, 2, 3, 3, 3, 4, 4. 5, 6. Et donc là, le défi permanent, donc on retourne des cartes jusqu'à tomber sur un défi. Donc ça, c'est défaussé, parce que c'est une babiole magique. Ça, c'est défaussé, parce que c'est la même babiole magique, c'est bien dommage. Ça, c'est un défi, boule géante. Donc ça veut dire qu'éventuellement, soit en jouant de ta main, ou alors tu peux tenter la boule géante qui te fait lancer 2 dés rouges, il faut que tu fasses 2 réussites. Attends, je regarde jamais. Pour gagner 7, si tu y arrives. Mais par contre, si tu foires, tout le monde perd 2 trésors, bon pour l'instant on n'en a pas, et tout le monde perd 3 points de vie. D'accord. Donc sachant que Bubburn et moi avons 8 points de vie, et Nico en a 9, puisque Nico est Abgral, la brute troll, et une fois par partie, tu peux lancer 2 dés de chaque couleur et récupérer 1 point de vie par... Moi je suis Horus, le guerrier orc, donc une fois par partie, je peux considérer mes dés plus et moins comme des résultats réussis sur des cartes rouges. Et toi, tu es Mandar, le sorcier hobgoblin. Une fois par partie, Mandar peut prendre une carte à chaque joueur, en garder une et redistribuer les autres. Ouais, donc en gros, il y a quelqu'un qui va perdre une carte dans l'histoire. Voilà. Voilà, c'est méchant. Eh ben, je vais essayer. Alors, tu tentes la boule géante? Je tente la boule géante et pas... puis je vais t'amener toi dans le... Dans le... C'est un piège, hein, c'est bien ça. À participer à votre piège, c'est exactement ça. Donc, il joue une carte, c'est bon, vas-y. Et donc, ça veut dire que dans l'idée, ils vont tous les deux lancer les 2 dés rouges pour essayer de faire un truc. Je compte sur ta chance. Alors, sachant que si tu as des cartes noires, tu peux en jouer aussi pour faire des trucs, etc. Je compte très fort sur ta chance. Moi aussi, parce que sinon, on va perdre 3. Attends, est-ce que je peux faire un truc? Non, je peux pas faire de truc. Alors, ça, tu le relances, ça devient un dé jaune. Mais bon, dans tous les cas, tu l'as perdu. Mais c'est pas grave, c'est pour voir si elle va quand même faire une réussite ou pas. Ok, loose total. Donc, tout le monde perd 3 points de vie. Voilà, ça commence bien. On aurait essayé. C'est ça. Parfait. Donc, la boule géante s'en va. Elle est défaussée. Donc, là, il nous faut un nouveau défi. Donc, super massu. C'est une babiole magique. Ça, c'est de la petite carte méchant. Un trésor. T'avais pioché une carte? Non. C'était le premier truc à faire dans ton tour. Oui. Bon, tant pis. Pointe, c'est le nouveau défi permanent. Alors, je vais commencer à piocher une carte. J'ai pile le nombre qu'il y a. Alors, je vais tenter un garde. 2 réussites sur 2 dés jaunes. Ah, si je réussis. Tu prends pas de piège, tu si je, ouais, si je réussis, je gagne. Soit c'est un trésor à 3. Et si je foire, je perds 3 points de vie. Mais est-ce que je ferais pas ça? Je te traite de... Tu vas jouer la baston à ma place. Donc c'est toi qui gagne ou c'est toi qui la perds? Tu dois faire 2 réussites et tu gagnes ça. Tu dois lancer en moins, donc c'est un dé rouge à la place. Oui, donc dans tous les cas, tu vas perdre 3 points de vie en fait. Vas-y, lance. Mais c'est pas grave, c'est pour la beauté du sport. Ça devient un plus, donc c'est tu relances un jaune. Bah, allez, c'est bon, moi, ça. Donc tu perds 3 points de vie. T'es voilà. Vraiment fils du fait. Ça va être rapide. C'est ça, ouais, c'est clair, la partie la plus rapide du monde. Tu pioches. Toi, tu pioches. Ouais. Pioche. Quelle moustache. Orc style. Pas mal les petits chevaux. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, défi là, ou un défi de ta main, sachant que ceux qui ont une cloche, tu peux les faire qu'à la fin.
Et voilà. Donc pour savoir si c'est un défi ou pas, c'est toutes celles où en bas il y a les dés représentés. Quelle que soit la couleur. Jusqu'en rouge, c'est les bastons, en doré, c'est les pièges, là, enfin, Piège. et en vert, c'est. C'est Alors, il faut que tu poses déjà une baston avant pour me forcer à la jouer à ta place. Ouais, parce que là, c'est un piège. Ouais, ça, c'est un piège. Baston, tu c'est veux faire rouge. ce truc-là? Baston, c'est rouge. Ouais, mais attends, faut déjà que tu dises que tu fais celui-là. Bah, je fais celui-là. Ce que tu fais, d'accord. Non, alors ça, à participer, ça veut dire qu'en gros, ah non, moi, on je vais fait lancer les deux. Les on dés fait les aussi deux, et ce sera sur le total. Donc, en gros, je vais t'aider. On perd quoi, tous ou pas? Oui. Tous, ah, attends, deux points. S'il m'en reste plus beaucoup, je me disais, vous pouvez faire ça au début. Oui, si, la boule géante, c'était bien sympa. Non, c'est tout le monde. Et on perd une carte de notre main. Donc, donc il y a une réussite sur les deux. Donc là, ça repose sur moi. Je te fasse au moins un succès. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est prévu quand même. Bah... Alors, ça devient. Un plus et un moins. Un plus, donc ça devient un vert. Ah oui. Et le moins, ça devient un jaune. C'est au niveau de la difficulté. Ouais. Plus difficile, moins difficile. En fait, ça a inversé juste le dé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas un succès. C'est pas un succès. Ça, c'est un moins. Ça aussi, donc je les relance. Et un rouge? Ouais, un jaune et un rouge. Non, mais quitte à faire, faut qu'il y ait un peu de challenge. Donc, tu vois, je mets plus de difficultés. Mais là, faut que tu ailles. Ça n'en sera que plus beau. Allez. Ah! Allez, on perd tous une carte, donc en gros. Le voisin de gauche, pioche une carte au hasard qui est défaussée. Vas-y, pioche dans ma main. Merde. Le voisin de gauche. Hop. Merde. Et vas-y, pioche dans sa main le voisin de gauche. Et on perd tous en plus de surcroît 2 points de vie. Tu les as déjà perdus ou c'est juste que c'est ton dernier? Non, non. Je te conseille de jouer ton pouvoir dès que tu vas pouvoir. Attends, ça c'était toi qui faisais. Donc là, tu deviens le premier joueur. Je te conseille d'utiliser ton pouvoir. Ça, c'est maintenant jouer. Là. Ouais, on donc retourne là, du jeu, ça, ça, ça. Oh non, de la gnôle de troll qui... Oh non, deux gnôles de troll qui sont... Yeah. Oh, super. Donc là, je les lance tous, on les met. Ah, ouais. Mâchoire, le... Ouais, tu les lances tous et chaque réussite se transforme en point de vie en plus pour toi. Alors, t'en as une, t'en as deux, et donc ça, les moins, ça devient un rouge. Un jaune. Un, ah, jaune, oui. Un jaune. Et celui-là, un vert. Tu relances un rouge, un jaune, un vert, et t'as déjà deux points de vie. 3 points de vie et donc le jaune devient un vert. C'est un plus ça. Ah. Donc le jaune devient un vert. T'es déjà à 3 points de vie. Donc lance un des verts. Allez, voilà, tu regagnes 4 points de vie. Si tu ah bah ça va te faire du bien, oui. Pioche. Donc là, je le retourne, c'est bon. Ouais, je te l'ai déjà retourné. T'as plus de pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Merci mon Dieu. Donc, ben, soit tu fais ce truc-là, qui est relativement simple puisque c'est 2 des verts. Voilà. Classique ou un de ta main si t'as envie de jouer plus. Mais si je te rassure, un 2 des verts, ça sera facilement aussi, il n'y a pas de souci. Bien ça. Tu tentes une mâchoire, donc c'est exactement la même, mais tu préfères le jouer de ta main, d'accord. Bah vas-y, lance 2 des verts, sauf si éventuellement t'invites quelqu'un ou autre, ou que t'obliges quelqu'un à jouer le piège à ta place, selon ce que tu as en main. Non. Ok. Alors, tu préfères faire juste un succès sur un des jaunes, vas-y mon gars. Ah, ça devient un vert. Bon, maintenant c'est raté, donc tu perds un point de vie, un trésor, mais t'as pas encore de trésor. Non, il n'y a pas la petite étoile. La flèche veut dire qu'on perd, c'est en fait tout le monde, c'est quand il y a la petite astérisque à côté. Là. Là, comme c'est là. Donc là, c'est juste toi. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc c'est bon. Ah, ouais, je pioche. Ouh, les mâchoires. Bah tiens, je vais faire comme toi, je joue ma mâchoire personnelle. Ma mâchoire personnelle. Je joue ma propre mâchoire et... Allez, tu joues la mâchoire avec moi, j'ai vu que t'étais bon en mâchoire. Vas-y. Donc je t'oblige à participer, c'est juste que ça rajoute tes résultats aux miens. Alors attends, ouais bon, c'est pas la même, mais voilà. On sait qu'il faut un succès sur deux. Ok, donc je compte vraiment sur toi pour m'éviter de perdre des points. Vas-y, assure. Ça devient un dé jaune, mais si tu peux encore le faire, choisis bien ton dé jaune, fais-moi un succès. Vas-y, go! Une chance sur trois. T'es un connard. En vrai, t'es un connard. Donc je perds un trésor que je n'ai pas et un point de vie que j'avais, mais. Voilà, enfin, ça aurait été con le jeu. Mais non, c'était un piège, c'était pas une baston. Vas-y, pioche. C'est sur un piège. Mais c'était une baston. Ouais. Ah, mais si, c'était un piège, j'aurais pu faire ça. Ouais mais regarde. Pour gagner deux pauvres points de trésor et tout. Il y a quand même pire en piège. Donc. Qu'est-ce que tu joues-tu? Prenez une carte au hasard dans la main d'un autre. Pourquoi moi? Je suis ton voisin de droite, c'est d'être.
Oh, je m'en fous. J'en ai trois autres. Elle a pioché. Elle avait J'ai pioché, ouais. Donc là, il faut quand même que tu fasses un défi, sinon tu perds un point de vie. Je vais tellement crever. D'un autre côté, ce qui est bien, c'est que vous aurez aucun loot. Ça m'a gagné de présent. C'est un piège, je suis là. C'est la partie la plus pathétique du monde. Allez, donc tu fais une mâchoire. Attends, tu lui demandes à lui de participer à la mâchoire. Ben oui, on sait jamais. Ça fait depuis le début que j'y arrive pas, j'en ai pas justement, c'est maintenant qu'il va y arriver. Ouais, c'est maintenant. Vas-y, mon gars, vas-y, on va faire le coup de ouf. Maintenant. Oui. Ah, celui-là, c'est un des jaunes pour éventuellement un côté badass si tu refais une réussite. Mais dans tous les cas, là, tu viens de lui offrir le truc. Ça devient un des rouges. Ça reste confiance. Voilà, après, ça devient un des violets. C'est ça. Et voilà. Non, bon, bah tu gagnes quand même ça, c'est ton butin. Mais voilà. Merci. T'es bien aimable. Parce qu'elle a remporté grâce à toi. Elle a réussi. Donc, oui. Donc là, elle a 2 points de trésor par rapport à la fin de partie. C'est bon. Et sinon, en cas de. C'était pas une baisse de vol ou. Non, c'était un piège. C'était un piège. Donc attends, non. Là, faut qu'on retourne les cartes pour avoir un défi permanent. Donc ça, non. Ah, on perd toutes les babies magiques. C'est un officier, un des jaunes, un succès. Juste 3 points de vie à perdre. Ah, je peux mourir sur un officier. Oh, ça se passe. Ah. Je peux mourir sur un officier. D'un autre côté, j'ai pas de loot à vous offrir. Ah ben non, c'était un piège, donc je pouvais pas jouer mon pouvoir tout à l'heure. C'est bien ce que je dis. C'est que sur une baston. La cage. Welcome to the cage. Tu la joues tout seul, farouche guerrier. T'as vu que t'étais capable de faire une réussite pour l'instant, la seule réussite. Je suis doué. Regarde là. Oh, regarde, on est tout mirette. Mais voilà. Un verre. Tu lances un verre, ouais. Et voilà. Et t'en fais les deux. Ouais. Donc, tu perds un trésor, mais t'en as pas. Et tu perds un point de vie. Ouais. Bon, ça va être en rester quelques-uns. Oui, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, c'est le papier. Je pioche. Ouh. Mais. Eh ben, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je fasse l'officier. Un des jaunes. Une réussite. Mais je peux faire un plus ou un moins, et du coup, je peux avec mon pouvoir de ouf, pour gagner l'officier. Mais il faut quand même que je fasse un plus ou un moins. En gros, sur un résultat vierge, je meurs. Je suis retiré de la partie. Mais tu seras pas vierge. Tu ne mourras pas vierge. Est-ce que l'autre des jaunes serait pas meilleur? Je me tape. Moi, bon, celui-là, il a bien équilibré. Oh, oh, réussite directe. Bim. Incroyable, tiens, ça c'est pour moi. Je m'en doutais. C'est parce que je t'ai donné un peu de mon fluide, je voulais essayer. Tu vois. J'aurais jamais fait mieux, franchement. Ok, super. C'est que des bonnes cartes, super. C'est ça. Oh, ouais, donc là, tout le monde gagne. Non, tout le monde perd. Si elle rate, tout le monde perd. Ouais. Un des jaunes et un des verts, il faut que tout soit un succès. Tu peux me tuer. Là, tu peux. Ah non, pas moi. Mais toi, tu. D'accord, tu meurs. Tu le prends ? Ouais. T'as pas une carte pour que quelqu'un t'aide ? Non. Évidemment. Et en plus, tout le monde perd un point de vie si je rate. Est-ce que je peux toucher vite fait avec lui ce soir qu'on va faire quelque chose ? Bah, je meurs si tu rates. Donc, bah, je meurs. Bon, ben voilà. Deux. J'avais un plus, mais ça servira de toute façon. Donc, on se distribue tes cartes. Hein. Ouais, vous distribuez mon butin que j'ai pas. Voilà. Sinon, en gros, Clem aurait eu mon. C'est celui-là. Ouais, voilà. Bah, heureusement. Il en reste un chacun ? De gare. Ah, bah, je vais mourir tous les deux en même temps. C'est maintenant. Donc là, c'est. Ah non, c'est pas le dernier tour. Ah non, c'est tant que la pioche est pas finie. Ah oui, donc les clochettes, on peut tout à fait ne pas les jouer, ne pas les avoir. Ouais. Oh, putain. C'est sale. J'en ai un, c'est quoi ça? Je comprends pas. Eh ben, un des jaunes, c'est une réussite tout de suite sans que t'aies besoin de lancer le blé. Ah oui! Ben, en gros, si ça te demande de lancer un jaune et un vert, tu lances quand même ton jaune et ton vert. Et si le jaune il fait une phase vierge, c'est quand même considéré comme un réussite. C'est automatique. Et du coup, ça te permet d'avoir une plus grande chance de réussir en lançant quand même les jaunes. Bon, ça ne va pas parce que. Ah, attends. Pardonnez-moi. Ça, c'est des cartes que j'ai défaussées. J'avais ces deux-là, les cartes babioles magiques sont mises aussi.
Donc vous allez chacun gagner une babiole magique grâce à moi. Mais n'oubliez pas qu'il y a une limite de cette carte. Quelqu'un d'autre. T'as combien de cartes? 7. Burn. Ah. C'était pas loin, hein. Excuse-moi, j'ai eu du mal à... Oui, non, je sais pas, je te l'ai dit 5 fois. En plus, je t'ai dit, bah non, mais toi, t'as plus de cartes. Oui, non, mais il y avait quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Bon, bah donc là, en fait, je peux mourir, quoi. Je vais mourir, là, en fait. Tu fais le chien de guerre? Bah, j'ai pas le choix. Tu t'as pas d'autre choix? Non. Ouais. Bah sinon, au pire, tu fais pas de défi à ce coup-là, comme ça, tu perds un point de vie et tu meurs automatiquement. Voilà. Donc, vas-y, t'as pas de chien de guerre, t'as pas une carte pour faire rejouer le baston ou autre? Non. Bah, attends. Non, parce que tu lances pas de dés. Ouais, mais sur 2 dés verts, ça va être facile. Une chance sur 2 d'avoir un succès, donc tu lances 2 dés. C'est un dieu, c'est vraiment cadeau. Maintenant. Hein. C'est cadeau. Là, tu... Elle, elle est là. Il y a toute ma foi, là. Elle est comme ça, crève. Oh, ah, j'en reviens pas. Le mec, il a une foi de ouf. T'as pas un truc pour lui chourer son... Non. T'as pas une carte pour lui chourer son trésor. Oh. Et, n'empêche que, regarde, cache, ça peut être un signe. J'ai dit qu'il y a un dieu, c'est vachement. Direct, tu vois. Là, tu vas peut-être mourir. Là, de toute façon, à chaque fois, vous mettez votre bien. Tu peux en poser un à la fois par tour t'es active. C'est quoi un défi, chope la poulette? C'est les cartes vertes, qui en fait, les cartes vertes, si tu les foires, il se passe rien. Si tu les réussis, tu regagnes des points de vie. D'accord. Donc, quand quelqu'un fait, ben, tu fais ce qu'il y a à faire et ça devient. Bon, voilà. Moi j'ai perdu. Quoi. Ben non, si tu réussis, regarde, tu te sortes un peu les doigts, tu lances deux des jaunes et boum. Remets ta foi en jeu, ça marche très bien. Non. Ah. Attends. Ah ouais, je peux pas mettre. Par exemple, je peux pas mettre ça. C'est pas possible. Ah. Et si, mais bon. Moi, donc c'est un vert. Je peux lui passer ou pas? Non, moi c'est rouge ou vert? Attends. Oui, tu peux lui placer, c'est un par... Ouais, je peux lui mettre pour... Ouais, je pense. Il veut jouer une super massue de la mort, comme ça ton en fait, dé jaune est quoi, automatiquement réussi. Donc tu relances le dé en vert. Et en fait, ça, si tu veux, t'as déjà une réussite. Voilà. Ah, bah j'ai même pas besoin de tirer alors. Ben, relance-le quand même, si, pour éventuellement badass et prendre la première carte. Non, bon, bah voilà. C'est juste que tu le réussis, il vient de te sauver, Michel. Bon, après, je ne sais pas si c'est un coup homologué par la fédération de HorQuest. Je voudrais voir est-ce que c'est mes réussissés, mais bon, comme tu l'as joué, donc on va dire que voilà, il t'a automatiquement. C'est bien les mal. Peut-être c'était une règle interdite. Vas-y, bah là, j'aurais bien voulu l'avoir d'ailleurs, par exemple, ça, t'es cool. Bah ouais. Tu viens de le clamer. Ah. Tu faisais quoi déjà ton mot d'or, Ah, une carte à chaque joueur. Oh oui, ouais. Je lui ai changé une carte contre une des tiennes. En fait. Ouais. C'est bon, je peux mourir ou... Bah non, je peux mourir, on peut y aller. Bien, alors je vais jouer... Bah, j'ai un soldat, mais je vais pas jouer mon propre soldat. Tu joues le soldat permanent si, hein, Ouais, tu m'as déjà fait le coup de Dieu, vas-y. Donc maintenant, il faut trouver autre chose. Ah oui, parce que tout à l'heure sur les chiens il te fallait 2 réussites, donc c'est pour ça que t'as pas été badass. Alors que là tu fais 2 réussites comme tout à l'heure, ouais, boum, tu pioches la première carte. Là je crois en Dieu, c'est bon, c'est fini. Non, mais ça peut être un signe. Le dieu du dé. Le dieu du dé. Non, mais je suis sérieux. Le dieu du dé. Ou le dieu des ors. Voilà. Voilà, ils n'existaient pas. Bon, alors là il m'a craché dessus. C'est pas grave. Hop, moi qui disais. Et donc du coup, bah loot. Bah du coup, c'est forcément pour toi. Pourquoi tu... Et c'est pour le principe, normalement c'est au hasard. Donc voilà, ben Bubburn a gagné vu qu'on est morts tous les deux comme des grosses quiches. 10, je l'ai sauvé, cela dit. 12, 13. Ouais, c'est vrai que peut-être, oui. Si c'était pas possible, elle serait morte avant toi et c'est toi qui gagnais du coup. D'accord. Mais dans tous les cas, voilà, 13. On est d'accord quand même. Que peut-être t'as fait un truc qui était pas possible mais qui l'a fait gagner. On fait la revanche? Ouais. Allez, vas-y, là. 6. Alors, j'ai 8 points de vie. J'ai un mec 7. Toi, en fait, t'es toujours Mandar. T'es abonné à Mandar. Ouais, voilà, moi je reste avec Mandar. C'est une équipe qui gagne. Ouais, Mandar il gagne. Au fait, j'ai gagné. Non, mais on le sait, ça a été filmé. Ça a été filmé, ouais. Tiens, c'était carte. Et maintenant, comme je suis plus gros loser, je vais commencer. Donc voilà, c'est parti pour la revanche, vu qu'on s'est bien fait défoncer la gueule direct. Alors, cette fois-ci, je suis Mec, le voleur gobelin. Donc, une fois par partie, je peux voler une carte au hasard dans les gains d'un autre joueur.
Sachant que à la partie d'avant j'avais 8 points de vie, je suis mort bêtement très vite. Je n'en ai que 7 celle-là. Je vais mourir encore plus bêtement plus vite. T'es devenu Horus, que c'était moi que je l'étais. Oui, qui était pas terrible. Et Bubburn, et ben du coup, elle est toujours Mandrake, voilà. le le sorcier Hobgoblin Zarbino qui gagne. Alors, c'est donc à moi, qu'est-ce que je vais faire comme piège? J'ai qu'un peu pour toi. Regardez les dessins. Oh, ouais, bah allez, je commence par une petite mâchoire tranquille. J'ai pas pêché. Parce que je n'ai plus que 5 cartes, donc que j'ai pas pêché. Ensuite, je vais faire un chien de guerre. Tant pis, mâchoire. Alors, oui, bon. Eh ben, allons-y. 2 dés verts, 2, un succès, ça suffit. Facile. Une chance sur deux de faire du succès, c'est trop simple. Aise. Trop facile de rater. Ah, non, c'est non, bon, non, ça c'est passe, crème. Alors, vas-y, vole mon trésor. Oh, je suis pas non. Toi non plus, tu veux pas me la voler avec une carte noire? Non. Soir urbain, bah vas-y. Ah si. Prenez une carte au hasard dans la main d'un autre joueur. Oui, bon. Fais voir ton jeu. Allez. Tu les tentes des cartes au hasard. Oui, c'était toi, je vais pas. Oui, j'ai cru. T'as déjà que 7 points de vie, mon pauvre. Puis elle a déjà gagné en plus. Je vais tenter. Regarde son visage, voir là où elle est. Elle fait des clins d'œil, tu triches. Non, en fait, faut que tu commences à saisir la carte et si elle s'y accroche, c'est que c'est pas bon. Là, elle est bien. Ah, elle fait un poker face. Elle a tout mélangé, elle sait plus où ça en est. Allez, tire, putain. C'est celle qu'elle voulait pas. Elle me dit tout le temps ça. Pioche. C'est une bonne carte ou c'est pas ouais, c'est une bonne carte. Carte. C'est une pas trop mal bonne carte. Oh. Si je vous gêne. Et ben, bon, je vais jouer la babiole magique pour ce tour-là et ça me permet de récupérer la dernière carte défaussée. Donc c'est celle-là. Voilà, c'est fait. Tu peux plus jouer de carte bleue, toi non plus. Ni moi. Le temps de. Tu fais l'officier? Yes. Tu veux pas de l'aide de quelqu'un, tout ça, tout ça? Non, tu fais ça tout seul. Je n'ai pas les cartes. Tu mets une grande. Voilà. Oh, alors ici l'officier direct, facile, à l'aise, blesse, tranquille, le chat, tout ce que tu voudras. Attends, le piocher. Pioche. Oh, c'était bien une baston. Ouais. Tu m'avais fait pareil, c'était aussi sur l'officier. Quel sale ligo. Alors. Un soldatesque. Balance un 2 des jaunes, une réussite. Vas-y, mon petit. Il réussit automatiquement un des jaunes. Ouais, bon, dans tous les cas, ça va passer clair. Ouais, mais j'essaie de faire. Oui, non, mais vas-y, pour faire badass. Oh mais c'est il con a parce que tu utilises la carte pour rien. Ouais. Mais tant pis. Tu es quand même badass, donc tu prends la première carte. Et en plus, ben ça, c'est ton trésor. Autant à la partie d'avant, on n'a pas été foutu de réussir un seul défi, autant là, on est en forme. Qu'est-ce que. Et en forme de quoi? Qu'est-ce que. Ben ça, c'est un trésor que tu peux jouer une fois par tour dans ton tour. Ouais. Et donc ça c'est intéressant parce que ça se rajoute là. Et donc si par exemple vous voulez une carte au hasard, ça peut être ça, la chaussette puante qui est une merde, ah, ça vaut 0. Donc, et donc là, mais comme c'est noir, je peux pas la poser. Si c'est un trésor, tu peux le jouer une fois dans ton tour. Donc vas-y. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, je comprends. Je pioche. I have compris. Oh non. Eh ben. Ouais, moi je joue. Chien de guerre. Oula, the dog out! Attends, est-ce que je fais vraiment ça quand même? Oui! Tiens, je vais essayer de jouer un C'est qui le boss si je vais te prendre une carte dans ta main. C'est quoi ça? Eh ben, ça par exemple, j'aimerais bien te la piocher vu que je vais te prendre une c'est carte. C'est ça qui t'empêche de passer le défi, quoi, en fait. C'est comme si t'avais joué le défi. Ouais, en gros, ça m'évite là, de risquer de le perdre, je le jette. Ça fait comme si j'avais joué un défi, donc je vais pas perdre le point de vie de pas avoir tu joué le défi. Non plus. Je gagne pas, mais je perds rien non plus. D'accord. Vas-y, mélange. Et en fait, je me dis que je peux perdre bêtement 2 points et j'en ai déjà pas beaucoup. Ce qui me force à faire des réussites. Lesquelles c'est. Ouais, vas-y. Ah, oh, je l'ai eu! Mais tant pis, je m'en fous, je veux quand même tenter les chiens de guerre. Vas-y. Oh! Ça passe! Ah, voilà, c'est une partie plus sympa, là, quand même. Voilà, c'est une partie où on gagne cette ouais, fois. C'est plus drôle. À la revanche, on gagne. Pioche! Pionçage. Que vas-tu jouer? Est-ce que tu fais les mâchoires ou une autre carte? Ça va, Dobby. De Bivet. Donne-moi une chaussette. Oh!
Vous m'avez donné une chaussette. Dobby est un elfe Kypre. Tu as dit quoi, déjà d'autres joueurs à jouer un piège à votre place. Donc tu joues juste la mâchoire, c'est ça? Et je le gagnerai. Oui, par contre, tu le gagnes, mais tu le perds aussi si tu perds. Bon, c'est pas grave, ça. Hop. Hop, il, bon, il le gagne en badass, le mec. Combien t'as de cartes, Nico? 4. Ah merde. On sait jamais. T'es quoi, t'as plus de 7 histoire toujours de boum. Plus. Boum, boum. C'était toi, donc c'est bien toi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est quoi, c'était quoi? Bah, c'est le truc qu'elle t'a fait pour, le, pour que tu joues le, la machine. Attends, alors. Mmh. Il nous faut un nouveau défi. Oh non, non, les œufs de la poulette, ils s'en vont. C'est un soldat, le nouveau défi. Baston. Baston! Tu dois piocher. Pioche, 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 pioche. Ça, c'est bien. Si tu le dis. Oh, les mâchoires acérées, c'est un piège, t'invites personne, tu forces personne à le faire, tu fais ça comme un grand. Oh, les grandes mâchoires! Badass! J'ai le 6. Il est badass! J'ai le 6, Roger! Merci. Oh, génial! C'est super, ça m'en fait. Tu te calmes et puis sais-tu? Ok, d'accord. D'accord. Je vais jouer la cage. Tout le monde perd des choses. Un trésor. Donc une de ces cartes-là, mise au hasard et le voisin de gauche tire. Et un point de vie si je rate. Mais tu vas emmener quelqu'un avec toi. Tu vas venir participer à mon piège. Et puis toi aussi, tu vas venir participer à mon piège. Donc on va tous lancer les dés, tout va se... Voilà, tout ça va. Bah, on est capable de tous faire... jaune rouge, hein. Ouais, non. Alors, voilà, moi déjà c'est raté. Tu utilises ça pour prendre ça, j'aime bien. D'accord, en plus de babia magique jouable. Lance un des jaunes et un des rouges, il faut toujours deux succès, il y en a zéro, donc non. Ah, il y a un succès sur les deux. Un des jaunes et un des rouges. Ouais, putain. Ouh, que l'espoir repose sur toi. Allez, là, c'est bon, ça passe, merci les loulous. Putain. Merci les mecs, parce que moi j'ai été naze de ouf. C'est bien de l'avoir multiplié les chances. Comme c'est ça, oui, j'ai bien fait du coup d'en jeter deux, tu vois, ça paraissait un peu con sur le truc, mais finalement ça avait passé crap. C'est très belle utilisation du... Oh, une boule géante à deux dés rouges. Ah, merci de faire perdre 3 points à tout le monde. Ah, d'accord, moi oui. Ok. Sur un dés jaune, un dés rouge, je vais prendre les deux. L'autre sur deux dés rouges, vas-y mon gars, j'ai confiance. Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah deux réussites, facile. T'inquiète, ça va y aller. C'est quoi, c'est plus ou moins? C'est un plus. C'est un piège? Donc, c'est un plus, c'est vert. C'est jaune. Plus, oui, ça devient jaune. Donc, attends, t'as fait quoi? J'ai fait ça. Rien. En fait, d'accord, donc ça, tu lances un des jaunes. Ah, oh, un moins! Donc, je rouge. On joue un rouge. Ah, putain. Allez. Un plus. Donc, c'est un jaune. Bon, bah, c'est bon, on a temporel. Non, c'est un... si, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Non, attends, non, c'est un plus, donc ça devient un vert. Ouais. Ouh, elle voulait de la facilité. Ah, moins! Ça devient jaune! Putain, non, ça non, non! Bon, on va aller se coucher. Ah, allez, c'est bon. Alors, c'est un mois en double rouge. Sauf que je vais jouer en une babiole magique d'outils de rôdeur qui me rajoute un vert pour le piège. Donc je lance deux dés rouges et un dés vert. Joli. Deux succès. Voilà. Lastico. Un. Oh, un, deux. Et plus celui-là pour éventuellement faire en mode badass. C'est un jaune. Ça peut être qu'un jaune. De toute façon, je gagne ça. Oh, ben, tu prends badass. La première carte. You, trop badass. Pourquoi j'ai pas un truc pour voler le trésor? C'est moi qui ai fait tout le boulot et elle a une boule géante. C'est clair. Une grosse boule géante. C'est trop bon. J'ai eu trop de chance surtout. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien joué. Moi j'ai fait les plus, des moins, des plus. Je me suis bien amusé. Oh. Oui, allez. Oh, oh attends. Oh yeah. J'ai peut-être mieux. Ooh, yeah. Oh yeah. J'ai peut-être mieux. On va jouer un peu dessus. Des pointes acérées. Et tout le monde perd. Et tout le monde perd. Et Mais non. Le noir et gris, c'est quoi? C'est le piège? Un piège? Un piège? Un. Non, un gris, c'est une carte de la main, je crois. Tu participes avec moi.
C'est ça. Comme ça, ça sera un peu de tape. Si on perd une carte de notre main et on perd 2 points de vie. Il nous faut 2 succès. Bon, sur un jaune et vert, c'est crème. Ah, ça devient un 2. Ouais, tu relances un jaune. Tu lances un rouge. Et il y a du challenge. Bon, voilà, c'est pas. À toi. Un jaune et rouge. Un jaune et vert. 2 succès si l'on perd tous. Hein. Rappelle-toi. Une merde et pas. Putain, c'est foutu. C'est le baiser. Ouais, pour le fern. Non, c'est. Fun. Ouais, ça, tu lances un jaune. Mais bon, pour voir. Oh, ben voilà, c'est presque bon. Ah, bon, alors, donc pas. On mélange nos cartes. Le joueur d'à côté en jette une dans le temps. À chaque fois, on oublie de faire tourner ma cape. T'as pris quoi, par vous? Elle m'a fait jeter une cape de Tepula. Toi, je t'ai traité de. Et vas-y, voilà. Pioche pour elle. Ah, la super massue. Super massue. Chier. Attends, donc tes points sont partis. Donc, c'était toi qui avais joué, donc là, tac. Je pioche ma carte. Et tu, de suite, je vais jouer. Ah, mais non. Non. Ah, et on avait perdu combien, au fait, d'ailleurs? Ah oui, on perdait tous... deux points de vie. Deux. Ben, pour... Ah non, c'est bon, c'était... j'étais en train de chercher une carte, mais en fait, c'est pas une carte. C'est mon super pouvoir. Une fois par partie, mec peut voler une carte au hasard dans les gains d'un autre joueur. Tu n'en as qu'une, je te la vole au hasard. Parce que toi, ça rapporte 7 points, alors que lui, il a une à 0. Alors, avec ma chance, j'aurais chopé la chaussette qui pue. Donc, si je viens de piocher, donc bah, du coup je vais jouer un chicot d'or dans mon trésor, ce sera ma carte trésor que je joue. Et au niveau du défi, je n'ai pas le choix, ça va être la soldatesque. Un succès, bah, les deux, ça sera encore mieux. Facile. Ouais, je sais pas. Oui, un succès. Ah. C'est un succès. Toi, oui, ça va saigner, ça s'en va. Il t'a traité de. Ça s'en va. Ce sont des gardes. À moi la garde. Pioche. Orkstyle. Les gardes. Ah bah ouais. Aux deux succès sur des jaunes. Feu. Pas trop le choix. Comme tout le monde, en fait, je crois que personne n'a le défi en main. Ouais, c'est ça. Oh, il a réussi direct. Si. C'est joli. Joli. Ça, c'est pour moi, mais du coup, non. C'est bon. Salut. Mais ça va saigner, mais non plus. Il a traité de piège. Il t'a traité de pointe. Une pointe jaune-vert. Elle vient de réussir deux jaunes. Bon. Ça, je comprends pas comment elle fonctionne. Eh ben, quand t'as perdu des trucs, tu le joues en babiole magique pendant le tour d'un joueur, ton tour, etc. Et ça te permet de regagner 5 points. Jusqu'à 5, d'accord. Oui, ah ouais, parce c'est que sympa, fini, ça. On peut pas dépasser les... Bah, là... Ouais, là si tu voilà, perds 3 points de gnôle, mais... Y a oui, non, c'est con. 3 points de vie qui sont perdus. Mais... Donc j'ai joué ça, moi. À la partie d'avant, par exemple, où tout le monde a crevé bêtement, sachant qu'on en a défaussé 2 à un moment sur un retour du défi. Un plus, donc c'est un vert, ça, c'est et un moins, c'est un jaune. Ah non, t'es pas sur une baston, t'es sur un piège, pardon. Ouais. C'est con, bah parce donc que sinon là, c'était exactement le... Ouais, tu les relances. Ça allait oui, dans c'était ça allait bien. C'est con, c'est nickel, oui. Mais c'est pas une baston. Le vert devient jaune. Ouais, mon truc, c'est dans les mains. Le jaune devient rouge. C'est dans les mains des gens? Ou c'est dans le bottin? Ouais, c'est dans les mains. Et on perd tous 2 points de vie. Merci. Chouette, et on jette aussi une carte de notre main. Donc au hasard... Attends, je joue la gnôle, si tu permets. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8... Non, pas chope la princesse, merde. Shit. Bon, c'est une cloche, c'est le tas. Oh non, avant, hein. Il est bien, elle. Prenez une carte au hasard dans la main d'un autre joueur. Ah bon, mais ça va. Pourquoi tu la jettes? Ah oui, non. Il me l'a pu aussi. Oui, non. c'était les pointes que t'as essayé de faire et que t'as raté bêtement. Mmh. Ouais, donc faut qu'on retourne une nouvelle. Donc allez, la massue s'en va. Ah, ce sera un garde. Ah non, un soldat, pardon. Donc je pioche. Du coup, je vais tout de suite jouer un miroir cassé de Tula dans l'os qui me permet d'échanger mes cartes en main avec celles d'un autre joueur. Attends, est-ce que je fais ça? Non, je fais pas ça.
Pardon. Trop tard, c'est posé. Ouais, posé, c'est joué. Je vous emmerde. Je vais faire un chaud plat vachette. Pour essayer de regagner des points de vie. D'ailleurs, on en perdait, je les ai pas perdus. Deux points de vie. C'est... Ouais, je pense pas que je les ai perdus. Je me trouve avec beaucoup de points de vie, mais peut-être que j'ai été très bon depuis le début. Il suffit d'une réussite et je regagne 4 points de vie. Une réussite, mais, ouais, c'est bon. Mais c'est bon. Je l'attends un badass. Il est badass. Il est badass. Et du coup, je regagne 4 points de vie. Et donc, je reviens à plein. Bouille à chaka. C'est plus intéressant là pour le coup. On voit vraiment là pour le coup, ouais, le jeu se développe plus que quand on meurt bêtement en se frappant nous-mêmes. Oui. En gagnant en 3 tours. C'est ça. Oh, elle a les bourses douloureuses. Et je. Ça. Vas-y, vas-y. Tente le soldat. Ça fait risques et périls. Deux. Et non, ça va schlinguer dans tous les cas. Du coup, c'est un quoi? C'est un plus, donc ça devient un vert. Un vert. C'est difficile comme logique. Ouais, parce que moi je. Plus simple. Ouais, simple. Ouais! Ouais, mais non. Ouais. Ah, mais si, il en fallait qu'un. Oui, c'est bon, il fallait qu'un. C'est bon. Merde. C'est pas un bâtard, celui-là. Merde. Ça devient le guard. Le guard. Eh ben, on va tenter. Autre chose? Qu'est-ce que tu tentes? Un chien de balle. De. Ouais, un chien de guerre. Oh, oh. Deux dévers. Deux dévers, bon ça. Deux dévers. Doudoudou. Et puis deux dévers. Doudoudou. Comme ça, t'as un troisième dévers, d'accord. Il en faut combien? Un, deux succès. Et ben, t'as quand même un troisième dévers pour éventuellement être badass. Du coup, ça devient des jaunes pour éventuellement être super badass. Oh là là. Badass! Prends ton trésor quand même. Monsieur. Ah! Tu viendras jamais ce que je viens de piocher. Non, on ne viendra jamais. c'est à moi, j'avais un double. Oh! C'est bon ça? Allez! À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Chevalier, un dé rouge, une victoire. Boum! Couillu. Pour un 7. Pour un 7. Ouais, mais sinon, 7, 3 points de vie en moins. Non, ça va, tu viens de reprendre. Ça marchera pas. Il est sur. Oh, ça devient des jaunes. C'est bon. Pression. Et il faut pas deux succès. Hein. Un seul. C'est perdu. Je perds 3 points de vie. Par contre, je vais jouer une babiole magique, un miroir de Tula dans l'os et on va échanger nos cartes. Enfin, nos mains. Voilà, c'est cadeau. C'est toi qui as le plus de cartes. Merci. Pioche. De zut, voilà. Elle a une main de ouf. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Gnôle de troll. Ah. Un coffre à trésor qui. Moi qui voulais tranquillement me remettre. Non, pourquoi? Que dalle. Elle ouais, bah, du vol. Avec la gnôle, elle serait rendue fou, elle était bien. Bah ouais. C'est ça. Elle est un peu mauvaise joueuse aussi, fais attention. Bah, comme tout le monde, fini. C'est le genre de truc que tu rages, toi. Fini. Ah. Tu perds 3 points de vie. Oui, 30 ouais, secondes. C'est tu permets ouais, tu permets. Allez. Oh. Ah, il y a à nouveau un chevalier et je vais pouvoir prendre ma revanche si tu le fais. Je vais prendre les paysans. Ah, les paysans. Ça va être tellement drôle quand tu vas faire les paysans. Ça, c'est un classique. Hein. Les paysans, ils sont super malaises parce qu'ils ont des fourches et des torches. Ils en ont gros. Voilà, c'est bon. C'est un jaune. Hop, donc j'ai mon pour éventuellement badass. Ah, je suis pas badass. Mais... C'est pas grave. Le gars, il m'a pas foutu de défaire des paysans de façon badass. C'est pas grave. Moi je vais poser un capet, non je peux faire maintenant. Ça perd ma clochette. Et oui, et oui j'aurais posé depuis bien longtemps. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah attends, faut que je pioche. Là, pioche. Je pioche. Et oui, là c'est. Ah mais c'est des paysans. Ah bah attends. Là c'est compliqué pour toi. C'est fait des paysans. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'on a même pas de trésor à se partager, putain. Si on a un peu. Ah, il joue le méchant en fait là. Bon, allez, je tente le Cavalieros. Encore. Je refais ma tentative. 3 points de vie quand même. Hein. Ouais. Ouais, mais du coup, je joue ma Gnôle de Troll, j'en ai 5. Truc. T'as pas le choix. Hein. Allez. C'est le prix de chevalier, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Les paysans. Allez là, les paysans. Tu peux que réussir. Non, c'est pas Ida, non. Non, non, franchement, les paysans. Moi, premier truc que je joue hier, paysans. Double échec.
Ça devient un jaune. C'est encore jouable. C'est encore jouable. C'est sué. Voilà. Et oh, après, ils étaient vraiment en colère, ils ont buté, quoi. Bon. T'avais pas de carte bleue dans le tas? Non, bah tu les connais bien. Ah non, j'en avais qu'une, je t'en ai filé qu'une seule. On commence par qui alors, la première carte? C'est toi, c'est moi, c'est à toi. Oui. Normalement, c'est dans l'ordre du tour. On n'a même pas le droit de tirer. Non, ouais, moi je l'ai tiré, mais j'ai un peu déçu. J'ai ma bourse, elle est douloureuse. C'est un nouveau paysan qui a été pioché? Non, c'est l'ancien. C'est son vieux paysan. C'est mon vieux paysan. Bah, c'est ouais, le vieux paysan de la campagne. Quand il n'y en a plus, il y en a encore des paysans. Ouf, ils sont. Oh, c'est la saucisse. Ah, du coup, tu. On n'a pas le temps de faire mon petit mandat. Ouais, ni à la partie d'avant. Bah, la partie d'avant, j'avais pas le temps ni l'envie. Oui, voilà. Je n'en ai ni le temps, ni l'envie, ni le besoin, ni rien du tout, pomme de terre. Très bien. Oh, je sais pas quoi jouer. Oh, bah, tu es un paysan sinon. Ouais, bah, j'ai très peu de points. Ouais, je vais faire les paysans. C'est mieux que rien. Allez, les paysans de moitié. Regarde, j'ai réussi à me rater dessus. Hein. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Ah, le mec, il est badass. C'est pas vrai. Il est badass. Merci. Il est badass. Oh. Chope la poulette. Bah tiens. Et ben, je vais faire un chope la poulette parce que de toute façon il me manque un point de vie. Donc ça va être parfait. Mais je vais d'abord me mettre une bourse douloureuse dans le coffre. Bourse douloureuse. Boum. C'est réussi, c'est pas badass, mais c'est pas grave, je reviens à plein. Ouais, chope la poulette. Attention, quel sera le boss? C'est un rush-up la poulette. Si tu veux regagner un point de vie, mais t'as plein, donc ça sert à rien. Après, si t'as pas d'autres défis, ça t'évite de perdre un point. Hein, de faire rush-up la poulette, c'est clair. Ça sert à rien. Tu le fais? Je peux pas faire ça. Ce serait du gâchis. Autant que tu perdes un point en faisant pas de défi pour ce tour-là. T'avais pioché? Oui. Ok. Je ne sais pas non plus, puis on peut pas refaire l'arbitrage vidéo. Oh, ça devient jaune, c'est... Ah bah, c'est pas bien, c'est foutu. Ouais, mais c'était beau quand même de faire la réussite, perdre donc 2 points de vie. C'est maintenant que chope la poulette devient intéressant. Non, parce que j'ai mieux. T'as mieux que chope la poulette? T'as chope la vachette? Non. Chope la chevrette ou je sais plus. T'as vraiment un troisième chope? T'as combien de cartes, Johan? J'en ai que 6 et c'est à la fin de mon tour. Attends, finis ton tour, je repose. Je tente un officier sur un des jaunes, un succès. Officier, je vais lui faire ravaler sa moustache. Vas-y. Et son petit monocle, je vais lui carrer quelque part. Ou pas, il va me faire perdre 3 points de vie. Oh, quel salaud. Méchant officier. On va partir sur un petit shop la poulette quand même. Ah bah allez. Je l'ai badassé. Badass donc. Non, ça je le prends pas. Non, ouais, non. Si tu prends juste un cœur. Tu l'as pris le cœur? Non. Sinon je serais. Sinon je serais fou. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah oui. C'est fini, oui. Alors, il nous faut un défi. Ça c'est pas un défi. Et ça c'est un défi clochette, donc c'est pas un défi parce que c'est que à la fin. Soldat! Il n'y a que des cartes un peu pourries. Eh ben, moi je vais plutôt faire un paysan. Un paysan. Parce que quand même, perds la moitié de ta vie, on en reparle, on verra si tu tentes le soldat, monsieur petit joueur. Ça passe juste. Pas crème. Mais ça passe. Ça passe pas crème, mais ça passe. Toujours plus de points, quoi. C'est ça. Ouais, mais toujours plus proche de la mort. Aussi. 4 encore, c'est là. Enfin, il y a le double, donc du coup, il est tranquille. Il y a tout intérêt à me faire perdre, à récupérer tout mon loot. Il y a défoncé la touche. Genre de ouf. Je vais jouer un soldat et puis je vais faire ça. D'accord, bon, voilà. T'as fait ton défi sans le faire. C'est fait. Ok. Oui, non, c'est tout, je sais pas. Oui, je... Oui, non, je sais pas. Baston! Ça va saigner!
T'es obligé de participer aussi. C'est marrant parce que j'allais jouer une autre carte. J'allais le jouer à ta place en fait. Le 2 vient à vert. Vas-y. Et donc là, tu lances 2 dés jaunes et il faut que tu fasses des choses. Faut que je fasse un seul succès. Facile. Voilà. Merci. Oh, le mec là. C'est cool parce que sinon j'avais perdu un peu de points. C'est vrai que t'es vraiment heureux au dé. En fait. Je suis bon au dé. Ouais, ça s'en va. Et ça va bien. Ça s'en va. Oh, la pioche s'épuise de vous. Va-t-il y avoir un défi ou pas? Doumpa, doumpa lila, doulé, douli. Oh, il y a un défi. Donc c'est moi qui vais dire c'est fin de partie après les autres. Oh, les clochettes. Clochette. Il n'y a que le butin là. Oh, il joue un autre gars, le petit soldat. Non, le soldat. Oui, pardon. Ouais, il se ressemble. Allez, c'est bon. Il l'a fait. Wouh. Il peut pas piocher. J'ai pas pioché. Bah oui, on peut. Non, on peut pas piocher, donc c'est à moi. J'ai pas pioché, donc je mets un coffre à trésor clochette. Ouais. Voilà. Ma bah, dernière action. Et donc toi, clochette. Tu. T'as pas de clochette. Et personne, je suis là. Ah, ah oui, si, je peux. Bah oui. Mais là, c'était pas toi le jeu, du coup. Non, parce que moi, j'ai. Fait ma carte clochette. Et je peux jouer autre chose. Ah oui, c'était un truc, vas-y. De toute façon, on perdra 3 points. Bon. Oh, mais là, 2 cartes aussi. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, puisque c'est fini. Mmh. Bon. Ça, c'est fait. On peut toujours avoir de la chance. 3 points de vie. Et tu dois acheter 2 cartes de ta main. Ça ne change rien sur la main. Ah oui, pardon. Dis adieu à ton garde et achète la biquette. Eh oui. Voilà. Ah, j'avais dit la chevrette, mais c'est la biquette. Quand on a 2 points, points, là, il y a du trésor. Ah bah alors là. Ça va chiffrer. C'est, il y a les pièces en complète là. 14. Ouais, les pièces en bas à droite. Je reprends. Imagine, on finit ex aequo, c'est toi qui gagne. Ah ouais. Ça serait trop. Mais ça serait pas bien. Non, je sais pas si. 6. 14. Combien? 21. 37. Ah. Bon. Ça a été filmé. Ça a été filmé. C'est une victoire filmée, c'est pas souvent, mais merci. Mec! Oh le mec, je vous avais pas demandé en fait ce que vous en avez pensé. Là, non, je m'as demandé, ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous en avez, vous, pensé? J'ai parlé la première, donc je t'en prie. Mais non, mais c'est une autre partie, c'est un autre c'est jour. C'est un autre jour. On a remis nos vieux vieilles affaires. C'est un jour de tournage différent. Non, eh bien, j'aime beaucoup ce jeu. C'est très marrant. C'est vrai? Ça te plaît bien. J'aime bien parce que c'est en fait finalement simple à comprendre. J'adore les jeux de cartes qui mêlent cartes et dés en plus. Ouais, t'as total full hasard. Les illustrations sont super. Ça, c'est clair et net. Il joue jusqu'à 6. Il joue jusqu'à 6. Je trouve ça un peu. Tiens, mais du coup, je l'ai même pas utilisé. Je trouve ça presque. Anecdotique le pouvoir. Ouais, pas. Enfin, ah, ça dépend. Pas hein. Indispensable en fait. Moi, ça je vais échouer 7 points, je crois, de trésor. Ou 6. Oui. Combien je t'en échouerai? Ouais. 7. 7. Donc sinon, j'étais à 30. Bon, je gagnais quand même. Oui, mais... tu bon, en soi, bon, c'est bien, c'est un petit bonus, mais c'est vrai que bon, certains personnages, comme Horus par exemple, c'est vrai que je pense pas l'utiliser parce que finalement. Bah, t'as pas eu le moins. En plus, c'est que sur la baston, mais voilà. Mais sinon, non, j'aime bien, c'est très addictif, et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas. Dans ces jeux-là, c'est pas parce que c'est toi qui as l'air d'être le mieux placé que tu vas forcément gagner, on l'a bien vu avec la déchéance de Buburn. Donc, du coup, la longue descente aux abîmes, comme on l'appelle dans le milieu. Donc non, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, c'est vraiment un genre de jeu que j'aime bien. Ok. Alors, quoi, ça manquait un peu de Chifumi aussi. On en a quand même rajouté. Alors que je pense que c'est dans la règle qui commence. Mais Et toi, Bubble, ne connais-tu pas assez? J'ai bien aimé aussi. J'aime beaucoup les dessins. Il y en a un qui m'a particulièrement fait rire, mais j'arrive plus à le retrouver. C'est la bourse de l'heureuse. Non. Non, parce que tu vois des doigts, c'est pas intéressant. Non. Il préféré que dans la tapette à souris, il y a une bourse, justement. Non, mais c'est une carte piège où c'est l'autre qui prend ton piège et en fait, ça montre un troll qui présente à l'autre une griffe pour qu'il se referme sur lui, donc ça m'a fait marrer. Voilà. Non, mais les dessins sont vraiment super sympas et
Les titres aussi, parce que je chope la princesse, la vachette. La biquette. C'est très drôle. Mais il y a la princesse. Chope la princesse, c'est une cloche de fin sans avoir et leur apporter. Et puis, au début, vu des règles, ça semblait un peu compliqué. Et en fait, quand on joue, ça vient tout seul. Enfin, c'est assez simple à comprendre. Et puis, oui, voilà, qu'il y ait les dés et tout. Donc, que tu sois pas toi seul maître de ton destin, que ce soit les dés qui décident. C'est bien aussi, c'est un peu de hasard aussi, mais en même temps un peu coup de pute aussi, où tu peux aider. Ouais, tu peux... Ils ont bien, à la première partie notamment, ils ont très bien décidé. Voilà. Franchement, c'est un jeu bien sympa. Ah, voilà. Donc c'est... Essaye pour voir. Ah oui, il lui met la main dans un piège à problème. Je ne pense pas que vous la verrez bien, mais voilà. Elle met la main dans un piège à et ça la fait marrer. Et il le fait en plus. Il le fait. C'est parce que tu l'obliges à prendre le piège à ta place. C'est ça. Vas-y, essaye de mettre ta main dedans pour voir. Bon, ça en soi, c'est peut-être un peu... Ouais, en fait, j'ai oublié à chaque fois de le faire, mais sinon... Ça en plus, mais ça sert à rien. Du coup, on a fait une partie à 11 en mélangeant deux boîtes, c'était quand même utile. Oui, on l'a bien fait tourner, tout le monde avait été bien discipliné. Là. Oui, parce que vu que tout le monde peut jouer en même temps, et à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué. Ça allait être à moi de jouer, je me disais, ah, mais en fait, depuis le dernier tour, je l'ai pas fait bouger, je l'ai gardé devant moi. Oui, parce que, mais c'est à chaque fois, on s'en sert très peu, finalement, voilà. Si je tourne là, mais c'est sympa. C'est sympa. Il y serait pas, on aurait râlé parce qu'il n'y était pas. C'est ça, on aurait dit, mais il aurait peut-être pu avoir un jeton pour dire qu'il est... Quand même, enfin. Non, c'est surtout parce que, comme tout le monde peut jouer en même temps, tu sais plus à qui c'est le tour. C'est aussi pour savoir que si quelqu'un a joué une carte bleue, tant que c'est encore lui qui joue, il n'y a pas d'autres cartes bleues. Et les cartes sont super sympas. Le truc, c'est jamais présenté. C'est ça, bien. Et c'est vrai que la deuxième partie était plus plaisante, je dis pas ça seulement parce que je l'ai gagné. Parce que c'était même si ça contribue non, mais ça a duré, plus longtemps. Ça a duré plus longtemps et on a réussi à finir le tas. On a réussi à finir le tas, aller au bout de la partie. Parce que les clochettes, c'était un peu frustrant sur la partie. Et surtout, on a réussi à réussir des défis. C'était la première partie. Ça fait bim. Allez, plus de vie, c'est bon, c'est fini. C'est ça. Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut! 30 cette fois ? Non ? Tu l'as de la session d'avant ? L'autre fois où tu avais amené ce t-shirt ? Oui, on peut s'en retenter une. Ouais. Ah, c'est pas ça que je disais. Non, en fait, là, il disait pour faire finir la vidéo en fait. Ah oui ! Pour finir la vidéo là. Eh bien, c'est pas salutation. Oui, non, mais c'est pour te dire le salutation d'avant. Eh bien, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, selon l'heure à laquelle... Ou autre. Autre. Selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut. Oui, il a réussi presque tout. Ou autre, c'est ça. C'est le bon. Et bien, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et à bientôt, très bientôt, pour de nouvelles aventures ludiques. Bravo. Après 72 3 ans. Salut. Salut. Tu n'es pas fait pour ça. Pour faire quoi? Des saluts.